Les places sont toujours plus chères à l'entrée dans les IME, ces instituts qui accueillent des enfants ou des adolescents qui présentent une déficience intellectuelle. À Corbie, dans la Somme, 50 jeunes sont inscrits sur liste d'attente, parfois depuis des mois. Un collectif Place en danger s'est créé. Sophie Crimon et Gérard Payen. Une fois de plus, ce père de famille vient faire le point sur le dossier de sa fille de 13 ans. Cela fait 2 ans qu'il attend une place et la réponse du directeur est toujours la même. Il va falloir encore malheureusement patienter quelques mois. J'espère qu'on ne parle pas en mois et en années, mais voilà, en tout cas, ça ne sera pas dans un avenir proche. En attendant, sa fille est accueillie dans un établissement inadapté à son handicap, car ici, la liste d'attente est de 50 enfants. Vous savez, c'est déjà difficile d'accepter le handicap de son enfant si en plus on vous ajoute des contraintes matérielles, administratives lourdes ou des contraintes de temps comme ces longues, longues listes d'attente. C'est une vraie souffrance et pour l'enfant et pour nous parents. Paolo, lui, a la chance d'avoir une place dans cet institut médico-professionnel. À 18 ans, il apprend la menuiserie avec un éducateur spécialisé. Mais avant, pour attendre cette place, il était en milieu ordinaire, au collège, et ça n'était pas facile. Ceux qui ont du mal à lire, à marcher, tout ça, c'est mieux de venir ici. Et puis dans les écoles normales, on se moque de ceux qui sont handicapés, tout ça. Puis ici, on ne se moque pas de nous. 97 enfants de 3 à 20 ans sont pris en charge en pré-apprentissage pour les plus grands. Au-delà de 20 ans, les jeunes, comme Étienne, devraient quitter l'IMP. Mais les centres d'accueil pour adultes sont eux aussi saturés, alors aucune place ne se libère ici. Ça nous rajoute une certaine pression, puisque on sait qu'Étienne a 20 ans et que de toute façon, il y a une autre solution à trouver que l'IMPRO. Plus aucun sureffectif n'est possible dans ces établissements. Les budgets se resserrent et il n'est pas question d'agrandir les IMP. Alors un collectif Place en danger se mobilise. Il a déjà recueilli 1500 signatures. L'État, pour nous, ne prend pas sa responsabilité. Alors c'est vrai que c'est financier, ça coûte cher. Mais l'éducation de notre enfant est une priorité. Le collectif mènera d'autres actions, c'est une question de société. Les enfants handicapés n'ont pas à être marginalisés une fois de plus. Par quel chiffre ?